Salut les amis, bienvenue sur Obduction sur la partie 8. On va s'occuper aujourd'hui de tout simplement d'éteindre le laser rouge dans la partie du monde de pierre, parce que je suis bloqué dans le monde de pierre et des choses que je ne peux pas faire. Et pour tout vous dire, j'ai galéré, mais vraiment galéré pour trouver comment il fallait faire. Et en fait, il y avait quelque chose que j'ai pas fait attention, que j'ai vu. Je vous cache pas que j'ai regardé quelques vidéos. Ça fait depuis un petit moment hein, que je regarde ces vidéos, que je n'arrive pas à comprendre, mais comment ça se fait, j'arrive pas à avancer plus. Et simplement, j'ai pas fait une certaine chose qu'il fallait faire au préalable. Donc, je vais vous la montrer. Je suis donc dans mon petit appareil ici. On se dirige vers la mine qui est là. Et maintenant que j'y pense, c'est logique. Puisque il y a un laser qui est dans ce truc-là, qui est embarqué. Et il faut simplement l'emmener avec nous dans l'autre monde. Donc on va aller sur la gauche ici. On va activer cela. Et vous allez voir que cela va nous emmener directement dans le monde de pierre, avec la machine dans laquelle on est. Ce qui va nous permettre de détruire le laser rouge et de pouvoir continuer notre aventure. Mais franchement, waouh! Si vous faites pas ça, vous pouvez pas aller plus loin dans le jeu, quoi. C'est un truc de fou, hein. On vous tient pas par la main de ce fait non plus, hein. Donc faut vraiment faire attention. Depuis tant que j'ai ce jeu. Voilà, on arrive ici, et vous regardez là. On a le faisceau rouge qui est là maintenant. Vous voyez? On est dans le monde de pierre. Et il y a ce faisceau rouge là qui permet qui fait une barrière. Donc on va retourner. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer d'activer le faisceau. Est-ce que je me suis bien mis dans le bon sens? C'est ça qui me fait peur, moi. Donc le faisceau là, on va le tourner. Donc ADWS. On va le tourner par là. Alors, par contre, j'ai l'impression que je suis passé reculé. On va l'éteindre. Et est-ce que je suis dans le bon sens? C'est ça qui me fait peur. Est-ce que je suis. Ah, regardez. Voilà. Donc, on va descendre le faisceau. Allez, je prie pour que ça soit suffisant. Non, pas assez. On va bouger ça. Ok. Ici, là, c'est le max que je peux aller. W, c'est pour le baisser. Ouais, c'est pas suffisant encore. Donc, est-ce que je suis dans le bon sens? On va se mettre plus comme ça. Allez, on va rallumer ça. On va monter. Alors là c'est sur la droite, on s'en fout. Ok. Alors comment on fait pour monter le bidule? Non, ça c'est le descendre. Le monter moi je veux. En plus j'ai un clavier où les touches sont à moitié effacées, donc j'ai un peu de mal. Voilà. J'ai l'impression que je suis encore trop peu sur la droite. C'est con, hein? Et là, je suis au max. Et à mon avis, je suis pas dans le bon sens. Ouais. Parce que là, je suis grave pas dans le bon sens. Je suis pas dans le bon sens. En fait, il aurait fallu que je sois dans un autre sens. Que je sois le truc qui soit en direction de ce truc-là. Bon, alors du coup, on va retourner en arrière, c'est pas grave. Donc, on va réactiver ça. On va appuyer là-dessus. Pas de chance, moi. Allez. Donc là, pareil, dans l'autre sens. Faut que je m'arrange pour le mettre.
Alors, j'espère que ça ne va pas me poser problème encore, parce que franchement, j'ai du mal avec ce jeu. Voilà, on revient ici. Donc, est-ce que j'ai la possibilité après de bouger le sens? Ah oui, c'est comme ça qu'on revient ici. J'ai compris. Ok. Donc, il faut changer le sens. Je fais ici. On va essayer de voir si je peux faire quelque chose. Comment je fais pour changer de sens? Parce qu'il faut qu'il rentre. Qu'il rentre d'eau. Alors, ce que j'ai envie de faire, moi, c'est de faire. Donc, il faudrait qu'il rentre, mais ça devant, en fait. Alors, on va partir comme ça. Attends. Comme ça. Alors, il faudrait pouvoir faire le tour et repartir dans l'autre sens. Donc, on va suivre ça. Ici. Comme ça. J'espère que je vais y arriver, hein, franchement. Non, là, ça ne me permettra pas de faire le tour. Il faudrait que je retourne par ici. C'est galère, hein, franchement. Je vous cache pas que j'en ai. Ouf. J'ai très très envie que ça. De passer ce passage-là parce que franchement il est casse-pied. Là j'ai pas le sentiment que je vais faire demi-tour. Ok, tant pis. Et je vous dis pas, hein, depuis, ça fait bien sûr 1 heure que j'y suis, hein, à essayer de trouver la solution. Pas moyen. Et quand je la trouve enfin, ça va pas. Il y a un truc qui va pas. Il y a un truc qui va pas, je suis pas dans le bon sens. Donc là non, on fait ça comme ça. Il faut aller. Alors attends.
Il faut aller peut-être faire le tour là du... Il n'y a qu'un seul endroit où on peut faire le tour. C'est au-dessus du garage. De mémoire. Donc on va aller par là. Clac. Là on arrive là. Parce qu'il faudrait que ça soit pas ça devant du coup. Hein. Je suis en train de réfléchir. Ah, ça change rien. Donc ici, je vais à gauche. On fait le tour. Si ce que j'ai fait ça sert à quelque chose, j'en sais rien, j'ai pas fait attention. Pourvu que ça marche. Oh là là, je suis content. Ok. Ça m'a l'air d'être bon. Ok. Ok. Allez. Je me souviens plus dans quel sens j'étais au tout début. Je sais plus. Oh mon Dieu. J'espère que je vais être dans... que je vais pouvoir détruire ce laser, quoi. Parce que là, qu'on passe à autre chose, allez. Voilà, j'y suis. Alors, on arrive dans le monde qui est là. Ah oui, ça m'a l'air d'être bon. Parfait. On va donc pouvoir activer, maintenant que je suis dans le bon sens, on va pouvoir activer ça. Alors, on va allumer ceci. Et on va bouger. Par là-bas. Et on voit le faisceau. Donc il faut reculer encore un peu. Allez, on active. Voilà. On va le mettre en route pour voir où est-ce qu'il pointe. Et enfin... Oh, oh, je crois que c'est bon. Regardez. Voilà. Nickel. La barrière est détruite, le faisceau rouge est détruit. Qui va me permettre d'accéder à d'autres zones. Et ça, c'est tip top. C'est tip top. Du coup, ce qu'on va faire, on va revenir. Voilà. Et on va repartir dans le monde mécanique, mais cette fois-ci à pied. Et je pense qu'on va pouvoir avoir accès au mur invisible là que je n'avais pas accès tout à l'heure. Alors, on y va.
Alors par contre, il faut que je me souvienne comment on fait pour y retourner, je pense savoir. Allez. On revient là, c'est parfait. Allez, on se casse d'ici. On va simplement abandonner mon appareil, hein. J'en ai pas besoin maintenant. Voilà. Alors, pour revenir au monde de pierre, par où c'est déjà? Par où c'est qu'on part pour le monde de pierre? C'est pas par là-bas. Il semble être venu tout à l'heure. Enfin, en neuf, hein. Être venu par au-dessus là. Je ne sais plus. Alors, on va essayer de retourner. Voilà. Il me semble que je suis venu hors caméra. J'étais venu par ici, il me semble. Ouais, parce que la benne est là. Allez, on remonte. J'aurais pu très bien prendre l'appareil pour m'amener jusque là, mais bon, tant pis. J'ai fait tellement d'essais que je suis incapable de vous dire si ce que j'ai fait c'est bien. Bon, c'est pas ça. Alors, il faut remonter sur une des crêtes en fait qui est là. Il faut être en hauteur. Alors, là, je suis où là? Non, c'est pas là, c'est pas là, c'est pas là, c'est pas là. C'est un vrai labyrinthe. C'est un vrai labyrinthe. Alors attends. Comment on fait pour remonter? En mécanique. Faut monter sur un de ces trucs là, de mémoire. Monter. Attends, mais non, attends. Ah, je suis nul, j'étais tout près. C'était. Ah, mais oui. Bon, je me suis planté. C'est près du garage. C'est près du garage. Merde, je me suis planté. Ça, c'est pas là, c'est vers la tour. On peut y accéder là. Là, c'est vers l'accès pour la zone de la verdure, là, du bois. Donc j'ai une porte qui est pétée, qui est cassée. Là, par contre, c'est cul-de-sac. Oui, ça y est, je sais. Je sais, je sais, je sais. Je sais. En fait, quand on arrive en hauteur là-bas, tout là-haut, il y a un moyen d'arriver dans le monde de pierre. Allez, on y va. Ici. Est-ce que je peux passer là? Ouais, je crois que c'est au garage ici. Désolé, ça fait un sacré détour.
Hop. Donc du coup, je suis obligé de rappeler la machine pour remonter en surface. Putain, j'ai fait un tour pour rien, c'est pas vrai. Hop. Comment je fais pour appeler la machine là, ici? Voilà, faut aller là, c'est ici en fait. Là où là mon regard se porte, c'est par là. Allez, let's go. Clac, on monte sur la benne. Au moins j'ai fait un tour du propriétaire pour rien, mais bon. Voilà. Bon, on arrive là. Et en fait, c'est à droite. C'est ici. Voilà. Et là, on a l'accès au monde de pierre qui est là. Allez, du coup, mise en route du machin du Schmurz. C'est ici. Voilà. Et on appuie ici. Et là, enfin, on va vraiment avancer. Allez. Et je suis très impatient de découvrir la suite parce que j'ai pas regardé la suite, hein. J'ai juste regardé comment on faisait pour détruire le truc de le faisceau rouge, mais j'ai pas regardé cette partie-là. Ok. Donc là, on arrive là. Et ici, vous voyez, là, on dirait qu'il y a un accès vers le monde végétal. Et je pense qu'en fait, maintenant que il n'y a plus de faisceau rouge, là, hop, on va là-bas. Et là, je pense que... Attends. Encore une fois. Encore une fois, s'il te plaît. Regardez. Tout avant, je pouvais pas. Je voyais rien ici. Maintenant, je fais ça et je passe à travers et on va découvrir une nouvelle zone. Formidable. Alors là, par contre, je découvre entièrement. Qu'est-ce que c'est? Ok. Donc, on arrive de là. Alors, j'aime bien faire un petit peu le tour. Ok. Oh, il y a une plateforme ici. Est-ce que je peux accéder? Dis-moi que ça marche, s'il te plaît. Dis-moi que ça marche. Ah, ça marche pas! Ça marche pas. Pourquoi? Parce que ça, il n'est pas en fonction, je pense qu'il n'est pas en fonction. Pas. Bon, bah c'est pas tout de suite qu'il faut aller là, alors du coup. Allez, hop, on descend. Donc c'est pas là. Il faut revenir là. Et on va essayer d'aller voir. S'il n'y a pas d'autres choses qui se sont débloquées. Un petit passage, des choses comme ça. Hop. Parce que comme le faisceau, il n'est plus actif. Alors, attends. Donc le faisceau, il était là. Voilà, ça c'est ce qui reste du faisceau rouge que l'on vient de casser. Parce qu'on était situé, je ne sais où d'ailleurs, je vois pas trop. Ah, peut-être là-dedans.
Et du coup, de là, on a cassé le faisceau, enfin, je pense. Ok. C'est une bonne chose. Dis-moi pas qu'il me manque encore un truc. Alors ça, est-ce que je peux le bouger ou pas? Non. Non. Ok. Est-ce que ça au-dessus maintenant, est-ce que je peux activer? Est-ce qu'il y a quelque chose à activer au-dessus? On va aller voir. Non. Non. Et en fait, je pense que la plateforme, elle était là-bas tout au bout. Il faut l'amener jusqu'ici. Mais là, rien ne fonctionne. Donc du coup, je pense qu'il faut aller à la machine principale. Celle qui est située tout en haut là-haut. Donc il faut encore remonter. Dis-moi que ça va fonctionner. Dis-moi que ça va fonctionner. J'en ai marre de tourner en rond depuis je sais pas combien de temps. Et ça ne fonctionne pas du tout. Ok. On continue. On monte. Donc là, on va avoir le bruit des machines qui va être assez fort, je pense. Mais j'ai baissé le son exprès un petit peu par rapport à la dernière vidéo. Alors, mon seul problème, vous voyez, ici, j'ai regardé des vidéos de gens pour cet appareil-là qui me posent souci. Parce que mon problème, c'est qu'il va toujours sur la droite, il va jamais en bas, il va jamais à gauche. Et les gens, quand ils mettent leur curseur sur la molette qui est là, il y a trois flèches qui apparaissent et ils peuvent bouger comme ils veulent, à gauche, à droite, en bas, ils se déplacent comme ils veulent. Mais moi, tout ce que je sais faire, c'est ça. Voilà. Et ça. Et remettre. Et je ne comprends pas à l'heure actuelle comment ça se fait que eux, ils peuvent bouger à gauche et à droite, descendre, alors que moi, je peux pas. Alors, j'espère que j'ai pas un bug qui fait que c'est foutu. Parce que je ne comprends pas pourquoi moi je peux pas bouger ça comme ça. Eux ils mettent leur tire curseur là, ils font ça, et t'as le truc, tout ça qui bouge. Ce qui permet de débloquer et de t'activer des machines. Et moi tant que j'active pas ça, tant que j'active pas ça, ben, je ne peux pas jouer. Je peux pas continuer la partie. Et ça m'embête fortement Ça, je sais pas. En fait, quand j'ai vu les vidéos des gens, ils ont même pas touché à ça. Ça, c'est pour l'escalier qui est. C'est pour ce truc-là. Ça, pour faire descendre. Pourtant, je sais bien ce qu'il faut, quoi. Je comprends pas. Hein. Il y a quelque chose que je pige pas. Et qui fait que je suis bloqué, mais grave dans le jeu. Ça monte et ça m'empêche d'aller là, donc c'est obligé que j'ai l'impression que tant que ça c'est pas remis en route, je pourrais rien faire. Là, vous voyez, c'est bloqué, je peux pas l'arrêter, mettre dans un autre sens ou pas, je peux pas, c'est bloqué de chez Keblo. Une fois que je l'ai activé, c'est activé, je peux rien faire.
pourquoi je n'ai pas accès à ces trois flèches qui me permettent de bouger comme je veux pour alimenter ça. Ça qui alimenterait ceci. Vous voyez, cette machine-là, pour faire monter un truc, là. Celle-ci qui alimenterait autre chose plus loin. Celle-ci qui alimenterait, je pense, l'ascenseur là-bas. Enfin bref, si je ne passe pas ça, je peux rien faire. Et je comprends pas pourquoi j'ai pas accès aux trois flèches. Que je puisse pas bouger dans le sens que je veux. Ah si, ça y est. Mais j'ai même pas les trois flèches. Ok, j'ai activé ça. Alors attends. Ok. On descend. Yes. C'est bon. Allez. Putain. Donc j'ai activé celui-là. Je sais que j'ai activé celui sur la droite, qui est là-bas. Ah, c'est pas le bon que j'ai activé, alors, du coup. Parce qu'il était en hauteur, le truc. C'est pas celui-là. Ah, ça fonctionne. Waouh. Alors peut-être que dans les vidéos que j'ai vues avec les flèches là, c'est peut-être une aide visuelle que j'ai pas activée, pourtant j'ai le sentiment d'avoir tout activé. Et ça me fait plaisir de voir que ça fonctionne. Et là on va découvrir une nouvelle zone. Du moins j'espère. Oh, qu'est-ce que c'est que ça? Un passage vers un autre monde? Et on arrive là. Mais non. Je suis déjà venu par ici. C'est le lieu de départ. D'accord, ok. Donc ça sert juste à ça. Ça marche. Bon, pour l'instant, pas très utile. Puisque je suis venu dans ce monde par le téléporteur qui est là. Ok. Donc on va voir maintenant si ce que j'ai fait. Alors. Donc moi j'ai activé celui du bas ici et j'ai activé celui du haut là. J'ai envie d'activer celui du bas de du bas. Alors attends. Non, non, non. Allez, active. Active, je dis. Voilà. On va activer ici. Ça, c'est bon. On descend et on va activer celui-là. Comme ça, ils seront tous activés. Allez. Voilà. Tous les pistons ont été activés. Magnifique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, je pense que maintenant... Je pense que maintenant tout est faisable. J'espère que ça va marcher. Allez. On va retourner à la machine que j'ai eue tout à l'heure là. Descend ici. On va aller voir de nouveau la passerelle là. Et j'ai tout activé donc normalement. Attends, si j'ai tout activé. Non.
On va revenir au début, au téléporteur dans le mur là. Et on va voir si je peux prendre la passerelle maintenant. Hop. Hop, ici. On descend là. Voilà. Ici. Donc là, il faut demander à la passerelle de venir nous rejoindre. Quoique non, c'est très con ce que j'ai fait. J'aurais pu très bien monter dessus. Enfin bref, tant pis. Très con, monsieur. Alors, attends. Hop, à droite. On passe ici. Et là, j'entends. Voilà, là, il est en marche. Donc, il est en marche. Et là, ça devrait marcher normalement. Yes, ça marche. Alors, à quoi ça va me servir? J'en sais rien. Quelle est l'utilité pour moi de passer d'un lieu à un autre comme ça? J'en sais rien. Ça change pas ma vie, hein. C'est juste un moyen de transport, hein. C'est pas en soi, c'est pas voilà, ça change rien au public, quoi. Attends, hop. À moins que, encore une fois, bah, j'ai des choses que je ne vois pas. Que je passe à côté de... Attends, je connais pas cet endroit, moi. Comment ça se fait, je connais pas cet endroit. Peut-être parce que j'avais pas l'occasion de passer. C'est marrant ça. Alors, attends, je connais pas du tout ici. Qu'est-ce que c'est que ce truc? C'est un labyrinthe. Non, je confirme, je connais pas cet endroit. Avant de prendre les escaliers et autres. Ok, je regarde. On va faire un tour là. Et on n'est pas loin de du monde végétal ici. Hein. Ok. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Alors, est-ce que ça... Ouh! Oui, c'est un passage secret, ça. Enfin, un passage. C'est un passage. Pas un passage forcément secret, mais un passage. Ok. Je suis paumé. Je suis paumé, je sais pas où je suis. Ok. Et je me demande où est-ce que je vais arriver. Alors là, c'est très intéressant. C'est un passage vers le monde végétal. Et si ça tombe, ça va pas me mener directement. Devant la porte qui était fermée jusqu'à maintenant du monde végétal, ça va peut-être me mener derrière la porte justement. On va pas y aller tout de suite, on va d'abord aller voir ce qui se passe.
On met ça sous le coude. Mais juste voir déjà ce qui se passe en haut là. Ok. Donc rien de spécial ici. Il y a un escalier qui descend. Mais c'est une folie. Je sais pas où je vais. Et encore un autre ici. Waouh! Et là, c'est quoi ça? Il n'y a rien. J'ai peur que ça me mette au début, ça. Je vais plutôt aller voir le passage que j'ai trouvé sur le monde végétal. Parce que là, si c'est un accès vers le monde végétal, alors youpi, j'aurais tout gagné. Allez. Attends. Je viens d'où, moi? Je viens d'en bas, hein? Oh. Attends, mais je... Qu'est-ce que c'est que ce truc? Heureusement que je fais une vidéo parce que je vais jamais me souvenir de ce que j'ai vu. Et de où sont les différentes choses que je dois visiter parce que je passe à... explorer à fond. Et on arrive là. C'est quoi ça ici? Mon Dieu, mais je suis paumé. Ah, mais là, on a fait le tour. Là, je pense qu'on revient au même endroit. Ok. On va prendre le téléporteur. Végétal ici. On va activer ça pour voir où est-ce que ça nous mène. Je serais très curieux de savoir. Dis-moi que ça nous mène derrière la porte et non pas devant la porte. Ouais, ça semble être ça. Génial. Oh, bonjour. Oui, parce que la porte est là. Attends. Moi, je venais... Attends. Moi, il me semble que je venais de là. Et que j'étais en bas, que j'arrivais devant cette porte qui était fermée. Là, j'arrive au-dessus d'un truc. Et là, par contre, il y a un code à faire pour l'ouverture de la porte, à tous les coups. Et ce code, c'est ça. Donc, on va prendre une photo. Et je pense qu'il faut reproduire le code sur la machine qui est dans le premier monde. Et si je reproduis ce code-là, ça va peut-être ouvrir la porte qui est ici, en fait. Tu vois, ah, attends, je fais des tests, c'est ouvert. Oh, waouh. Mais je vous cache pas que je suis un fou là. Parce que enfin, j'ai trouvé comment ouvrir ça et comment accéder à ce monde. C'est génial. Hop. Allez, on part de là du coup, maintenant que la porte est ouverte. Bon, au moins j'ai trouvé ça. Donc là, il n'y a pas d'urgence, on va rester dans le monde
mécanique. Enfin, ils appellent ça le monde de pierre, moi j'appelle ça le monde mécanique. Et on va aller voir le... Donc ça c'est bon, c'est réglé. On va remonter ici et aller voir l'autre téléporteur qui nous présente pour voir ce que c'est. Alors, par-dessus. Je pense qu'il était tout en haut, de mémoire, je sais plus. Il y avait un téléporteur. Ah oui, non, en haut c'était le... C'était ça, pour aller là-bas. Donc c'était pas là. Ok. On repart. Donc c'est vers le bas plutôt, du coup. Voilà. Il me semblait que je l'avais vu après. Donc on va faire ça. Descendre. Voilà, c'est celui-là. Celui-là, je sais pas du tout où il mène. Alors, si c'est jaune comme ça, c'est que ça mène vers le premier monde, je pense. On va voir ça tout de suite. Dans le monde du désert, je pense. Dans le premier monde. Mais même si c'est ça, c'est pas très grave. Allez. Allez. Alors, où est-ce que j'arrive? Donc, je m'en doutais, c'est le monde du désert. Oh, je connais pas cet endroit. Où est-ce que je suis, là? Attends. Où est-ce que je suis arrivé, là? C'est pas une des portes que j'avais pas à ouvrir, justement? Ok. Ok, on arrive là. D'accord. Ok. Ok. Du coup, qu'est-ce qu'on découvre ici? Une série de tableaux. Une harpe, un item de récompense d'appui. Bon. Ok. Alors. Voilà, on a des petits bateaux. Voilà. Ok. Une boîte. Des bijoux. Ok. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Une peinture. Il y a un livre ici. Oula, les vilains. Les mots m'échappent, c'est un cycle de vie si étrange, quoique ils se lancent à travers l'espace, préservés pendant une durée inimaginable, jusqu'à ce qu'enfin leur arche technologique trouve quelque chose et les amène vers un nouveau foyer. N'ont aucun lien avec leurs prédécesseurs, mais malgré cela, ou à cause de cela, ils possèdent des souvenirs incroyables de leur histoire, leurs récits, aux véritables épopées qui remontent à des temps immémoriaux. Contrairement à nombre d'entre nous qui ont été enlevés individuellement, ils ont tous été enlevés ensemble. Leur prélèvement a déplacé la totalité d'un site sur le point d'être anéanti. Je crois désormais qu'ils ont plus que n'importe qui d'autre une meilleure compréhension de ce qui peut être étrange système où nous nous trouvons. Il faut que j'écrive ceci. Nous avons enterré Ji-Hun aujourd'hui. Elle n'était jamais vraiment bien ici, restée seule la plupart du temps, déprimée et abattue. De toute façon, je digresse, je suis resté après que les mots brefs aient été dits. J'étais la dernière à partir.
J'étais jusqu'aux dents, comme je fais souvent, j'ai regardé le paysage saurien étrange et ondulé derrière la paroi de la cellule. Un mouvement a capturé mon attention. Dans les occasions, on a vu des Wolfangs se promener au loin. Le dôme a clignoté son gris familier, le mofang a disparu. J'ai traversé le dôme moi-même afin de passer rapidement de l'autre côté. Donc elle rêvait d'un jardin gigantesque. Après, je vous laisse lire hein, si vous voulez, hein. On mettez en pause, mais. Demain, je parlerai à CW, il est peut-être possible de lui faire oublier son plan de batterie. Pourquoi c'est souligné en jaune? Bizarre. Donc elle a fait un rêve dans lequel c'est elle le jardin. C'est elle la graine. Ok. Ça marche. Bon, à part du texte, qu'est-ce qu'il y a d'autre? L'aventure dans l'âge de Mist and Beyond. Un petit clin d'œil à Mist, comme je vous en parlais au début de la vidéo. Bon, un livre, on peut rien faire de spécial avec ce livre. Voilà, la référence à Mist, hein, effectivement. Oula, c'est quoi ça? Hein? Qu'est-ce que c'est que ça? Ok. C'est quoi ça? Remarque sur les Aris larvaires par CF. Après avoir été déplacé, il faut 3 à 5 jours à une larve d'Aris pour changer de couleur. La pulsation cesse immédiatement après avoir l'éloignement de Captar. Le clonage s'est avéré très facile comme pour des pommes de terre. Facile. Fleur végétale, jaune, OS jaune clair, incrustation Arai vert, métaux or rose, cuivre orange, titane orange, argent rouge, aluminium rouge orange. Donc ce sont des combinaisons en fait. Je vais prendre en photo parce que c'est peut-être important. C'est peut-être important pour la suite. Bon, à part ça, il n'y a rien de spécifique dedans. Ok, on va sortir du coup. Voilà. Et on va aller maintenant. Visiter ce monde monde de la nature. Donc pour ça, il faut revenir au garage. Alors, attends.
passer de l'autre côté en fait. Faut passer par là et traverser tout. Hop, hop, c'est ici qu'il faut aller. Là, on ferme la porte, on passe ici. Voilà. Je suis bien content d'avoir quand même progressé dans ce jeu parce que je trouve qu'il méritait. Il méritait ça, donc. C'est par ici. Oups. Et voilà. Tac. Allez. Hop, on passe. On monte. S'il te plaît, vas-y, active-toi. Ah, il faut d'abord que je monte bien dedans. Et en fait, le marqueur, il est un peu plus loin que celui du monde mécanique. Voilà. Hop. Je pense qu'il est sur la même lignée. Donc là, on a le marqueur du monde mécanique, on s'en passe. Je pense que le mien, il doit être un peu plus loin. Ah, si je me trompe pas. Ok. J'ai l'impression que c'est pas là, mais j'ai un gros doute là maintenant d'un seul coup. J'ai un gros doute et j'ai bien fait d'avoir le doute puisque c'est pas là. Bon, ok. C'est pas grave. C'est pas grave du tout. Ouais, c'est ici. C'est bon. Et on va aller maintenant dans le monde végétal. Ici. Vu que j'y ai accès. Alors je sais pas si je vais peut-être arrêter cette vidéo là. Pour qu'on découvre ensemble le monde végétal. Mais au moins me rendre compte que vraiment la porte est ouverte cette fois-ci et que je peux enfin passer et découvrir de nouvelles choses dans ce jeu. Alors si c'est aussi vaste que le premier du nom, que le monde mécanique, il risque d'y avoir beaucoup de choses. Donc tout à l'heure j'étais ici. Voilà. Vous voyez là le truc qui est là. J'étais là. Et la porte, par miracle, est ouverte. Et ça, c'est tip top. Don't panic. This is the best way to keep everyone safe. Just stay on this path and cross the first bridge. Then keep going until you get to that sign-in area. You'll get more information after you sign in. Ok. Don't panic. This is the best way to keep everyone safe. Ok, donc je dois passer un pont et aller jusqu'à la signe area. Don't panic. This is the best way to keep everyone safe. Donc on va suivre. Je pourrais très bien aller à droite. On va suivre. Ah, je peux pas, les ponts ils marchent pas là. Donc j'ai pas le choix. Ok. Du coup, je suis obligé d'aller à droite. Et ça, c'est quoi ça? Ok. Il fait sombre ici. Ok. On monte. Non. Ah ouais? Je suis obligé d'activer ça. Bon, écoute, allons-y. Vu que je peux pas aller plus loin,
Décidément. Donc là, je vais revenir dans le monde du désert, je pense. Mais où? J'en sais absolument rien. Allez. Donc là, surprise, ça me mène où ça? Ah, je connais pas cet endroit. Attends. J'allais tomber. Attends. Mais non, ça me fait revenir au. Il y a un truc que je comprends pas là. Je suis arrivé ici. Ok. Mais pourquoi ça, je l'ai pas vu avant. Attends. C'est là que je suis allé dans le monde végétal, non? Il n'y avait pas de. Attends. Pourquoi deux téléporteurs à égale distance pour le même endroit? Je comprends pas. Parce que là, ici, ben, on connaît en fait. Pourquoi m'avoir fait revenir ici? Voilà. Oui, c'est le truc du début, ça. Donc là, on retourne à la porte, ok. Don't panic. This is the best way to keep everyone safe. Just stay on this path and cross the first bridge. Then keep going until you get to that sign-in area. You'll get more information after you sign in. Ok. Mais traverser le pont, moi, je peux pas traverser le pont, madame. Pas traverser le pont. Ah, je m'attendais à découvrir un vaste réseau, et puis tout compte fait. Niet, quoi. Attends, là, j'y suis pas allé, là. Ouais, mais là, je peux pas aller plus loin, il y a ça qui bloque. J'ai d'aller là. Attends. Il n'y avait pas un trou, ça, ici avant. Il n'y avait pas un téléporteur qui m'empêchait de. Et le. Oh! Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Alors attends. Du coup, je peux aller plus loin. Ça mène vers un autre monde, mais c'est bloqué à cause du laser rouge qu'il y a dans ce monde-là.
Il faudra trouver un moyen de désactiver pour passer. Ok. C'est quoi ces petites lumières? Je dirais un vaisseau qui est encastré ou quelque chose comme ça. D'accord. Donc là, je peux rien faire de plus, apparemment. On va passer donc ici. Qu'est-ce que c'est que cet endroit? Cette machine. Ok. C'est une sorte de vaisseau. On dirait la toile qui sert à détruire les rayons, en fait. Donc je demande si ça détruit pas le rayon qui est là. Et on se retrouve à l'intérieur d'une sphère, en fait. Alors, attends. Ah! Ok! Ça, je peux le modifier. Hop! Et si je fais comme ça... pourrait avancer vers le rayon coco. Une sorte de joystick. Mais j'ai pas le sentiment que ça l'avance en fait. Oh. Ok, ça fait ça. Et si j'appuie. Non. Ouais, si j'appuie là, on dirait qu'il fait quelque chose. J'ai pas le sentiment qu'il avance. On dirait qu'il reste statique sur une seule ligne. Tu vois, je le bouge là. Clac. Clac, par là-bas. Ah, ah. Attends. Plus je rapproche, plus... Attends, je viens de comprendre un truc là. On va le mettre à gauche. Ici. C'est bien, c'est bien, c'est bien. Il est presque là. Là. Là, top. Réussi. This be unexpected. Attends, c'est quoi ça? But happy. Good. Very good time to be come here now. I am not knowing who you are, but I could use help. Oh, il y a des petits symboles là qui apparaissent. Watch. I am trapped, not can move. These beasts, called villains, they are much danger. Just look around. They live below water. And they are keeping
storing us for food. You will see as you go. Come. I cannot be here. Find a way to me. And I can figure this out. Wow. Ok. Ok. Bon, en tout cas, ça va me permettre l'accès au mur invisible que je suis tombé tout à l'heure. Donc, potentiellement un nouvel accès quelque part. Eh bien, écoutez, on va se laisser là. Je pensais pas aller vous montrer un petit peu ce que c'était que ce monde. Mais voilà, l'envie de continuer, de voir un peu plus, m'a fait pousser un peu plus loin que ce que je pensais faire. Quoi qu'il en soit, on se voit donc pour la partie suivante, la partie 9, où on va explorer un peu plus en détail ce monde végétal et voir ce qu'on peut faire. Là, je suis très content d'avoir enlevé le faisceau rouge. Franchement, c'était une de mes inquiétudes d'être bloqué à cause de ce faisceau. Là, il est enlevé, donc c'est parfait. Et puis, en tout cas, n'hésitez pas à liker, vous abonner, à partager si vous souhaitez. Moi, je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Salut les amis, salut, ciao, ciao, bye.